On est presque arrivé à Noël, puis là, je viens d'installer le dernier de mes systèmes de Dubois Agrinovation. C'est comme une couverture flottante qui empêche la gelée de prendre à cause qu'en dessous d'ici, il y a des épinards, puis en dessous de là, il y a du chou frisé. Faut que je dise que tous les systèmes que j'ai utilisés de Dubois, l'été qui vient de passer, puis là, à soir, en hiver, ont grandement amélioré ma capacité de gérer mon jardin. Je veux dire, le système d'irrigation, j'ai pas été obligé de m'inquiéter à propos de l'eau. Les serres portatives, les treillis en plastique, il y a toutes sortes de choses que c'est comme... Ça fait du sens d'investir dedans, tant qu'à moi, à cause que tu te sauves beaucoup de travail, puis ça fait en sorte que ton jardin, il y a plus de rendement sans plus d'efforts de ma part. Je veux dire, ça prend de l'effort pour l'installer, mais une fois qu'il est installé, comme là, ça c'est installé, j'ai pas besoin de m'inquiéter à propos du gel. Les épinards puis les choux frisés sont capables de tolérer beaucoup de gel, puis c'est ça. Heureusement qu'on a eu un automne puis un début d'hiver pas mal doux, ça fait que j'ai pris un petit peu plus de temps qu'il fallait, mais là c'est fait. Ça fait que je vais pouvoir récolter, espérons, des épinards puis du chou frisé jusqu'au mois de février.